Bon, à partir de cette heure-là, je commence à devenir un peu sourd. Ah oui, parce que c'est pas moi qui me dois venir maintenant. J'ai dit bonsoir. Est-ce que ça va bien? Je n'ai pas entendu. Ah non, là, il y a des diesel, il faut que chauffer pour vous préparer. N'est pas moi, j'ai fait ça. Mais moi non plus, c'est ça. D'accord. Alors, maintenant, pas. Dis Jules Chan Nicolas, en belle la main, en pas en gros la main, en belle la main. Il a géré de A à Z l'organisation, n'est-ce pas, dis Jules? On va faire belle la main pour ça. Dis Jules Chan Nicolas, accordéoniste et chanteur. On voulait aussi remercier la ville de Rivière Pilote pour la logistique. On va faire la belle la main aussi. Et puis. On applaudit tous les musiciens qui sont présents ce soir pour fêter Sainte-Cécile. Alors il n'y a pas de fête sans public. Je vais vous demander de vous applaudir aussi très très fort. Maman. Même pour Zot Zotchis. Heureusement, les salades là. Hein? Il se cache là-bas. Bien. Alors, chers amis, vous allez me permettre, Jules, si tu permets. En cette fête de Sainte-Cécile, qui est la Sainte-Cécile, la patronne des musiciens, mais aussi des luthiers et des poètes, je voulais avoir une pensée, une façon de rendre hommage pour quelques amis musiciens qu'on a perdus il n'y a pas longtemps. Et une pensée très forte, évidemment, pour leur famille. Je pense à Max Alix. Vous pouvez pas tomber le nom, s'il vous plaît. Je pense à Rodrigue Duper. Je pense à Gilbert Mirande. Je pense à. J'ai déjà dit, c'est lui pour les mots. Je pense. J'ai déjà dit de ma parole. J'ai dit la mission. J'ai mon nom à 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 la mission. Monsieur Majan, taisez-vous. Bon. Alors je reprends. Max Alix, Robert Bellamé, Rodrigue Lippert, Robert Bellamé, Gilbert Mirand, Robert Bellamé, Bertrand Emile, Robert Bellamé, Tiffrance Marie-Angélique, Robert Bellamé. Alors évidemment, je n'ai pas cité tous ceux qui sont partis il y a quelques années. Il faut citer Thierry Chaud, Curtis Wizard, Claudie Denis, Joe Desombo et. Allez, place à la musique, mon copain, on va le mettre soufflé. Thank you.
Alors, mesdames et messieurs, il paraît, comme qui dirait mon ami Alcindor, déjà décédé, il paraît que c'est l'anniversaire de deux personnes ce soir ici. Alors, suivez mon regard. La dame qui est en train de se coucher sur l'autre dame, c'est pas ça, il vous rappelle pas. Pas dit, mais c'est Sarah, elle est là, live on direct quand même, madame. Pas quand même, madame. Il y a vieux, mais pas photocopie, vieux, vous savez. C'est l'anniversaire de Ghislaine. Nous rappelons bien la main, s'il vous plaît. Et comme par hasard, c'est aussi l'anniversaire de sa voisine, Rosita. Alors pour elle, elle m'a dit, Eli, m'a laissé au bichon de bain. Qui s'en va chanter ma moune pour anniversaire? Joyeux anniversaire. Vous verrez bien les poches. Alors j'ai cherché Luciano Pavarotti. Ma pas trouvé, m'a dit qu'il est déjà décédé. Ma pas dit qu'il fait décédé, non? Il est déjà. Il est mouru, il a perdu son vieux. Voilà. Alors, faute d'avoir Luciano Pavarotti, j'ai trouvé Luciano Pavarotti. Alors, mesdames et messieurs, applaudissez Luciano Pavarotti pour chanter mon Ghislaine. Je n'ai pas entendu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'était pour Ghislaine et Rosita. Que la musique continue. Et non plus tard. On n'aime pas d'amour. Ça va, baba, bébé. Yeah.
Voilà. Thank you.
Alléluia. Alors, je répète, mesdames et messieurs, ça se fait sans répétition. Pas une répétition, tout le monde a venu. Mon quoi, c'est pas libre service, mais c'est service libre. Voilà. Encore joyeux anniversaire à Rosita et à Gisèle. Le passeport de mon champagne, petit. Avaluda. Première figure. Pantalon. Pantalon. Oui, mais pantalon. Avaluda. Première figure. Sainte-Cécile. Thank you.
Ahora sí.
Merci. Un moment, on va dire, mais il n'est pas vide dans la veille passée, non. Alors, il y a quelques mois, j'avais dit qu'il apprend le saxophone et il ose monter sur scène. Donc, ben là, même pour ça aussi. Allez. Voilà. Bravo, M. Deschamps, oui, bravo. En direct avec les pilotes, là, avec Elie aux Irafontaine. Un cher Yannos, plus de cher que d'os. Un musicien talentueux, un homme d'orchestre, un comédien. Il a tellement de flèches à son arc, on n'arrive même pas à situer. Faut pas en dire trop, parce que les impôts sont là. Hein. Oui, oui. Alors, Elie aux Irafontaine, ce soir, tu as fait une petite prestation, parce que ça fait un moment que tu n'as pas touché l'accordéon. Un petit défoulement, quoi, histoire de vérifier s'il n'y a pas des ravelles, et voilà, dedans, quoi. C'est, comme disait mon ami Joe, de malheureusement décédé, un simple amuse. Alors, et ça fait longtemps, effectivement, que je n'ai pas touché l'accordéon, d'autant plus que je ne suis pas physiquement, avec ces articles à toi, et tout ça, je suis pas en forme, quoi. Mais bon, je me suis dit, bon, ben, je vais laisser faire le petit son avec les amis, c'est la tradition. Et puis voilà, dans une ambiance bon enfant. Ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est que tu as fait un rappel à Papa Louis. Ben écoute, c'est normal, hein. Je crois que si aujourd'hui j'essaie de pratiquer l'accordéon, c'est par rapport à lui, quoi. Parce que c'est lui qui m'a donné
ce groupe. Je me rappellerai toujours des 2 janvier où on montait avec toute la famille, on se réunissait et c'était l'occasion d'entendre de la bonne musique traditionnelle. Je me rappelle encore, moi à l'époque j'étais pas sur l'accordéon, j'étais plus intéressé par la batterie. Et donc il y avait un gros fût d'eau du côté de l'écurie, on vidait le fût et on installait ça à l'intérieur de la maison. Et puis voilà, j'étais dessus toute la nuit, on faisait de la musique avec les parce qu'il faut dire que dans toute la famille, il y a des musiciens, les tontons, les cousins, voilà. Donc on passait de la nuit de 5h du matin, de 5h de l'après-midi jusqu'à 6h du matin à faire de la musique non-stop. Et puis bouer manger, voilà, belle ambiance, c'était la belle époque. Voilà. Alors je vais te poser une question parce que tu as déjà fait des albums de musique en solo. Ça t'est jamais venu à l'idée de faire un album en accordéon en souvenir de... Alors, bonne question, on me l'a déjà posé plusieurs fois. Non, pas vraiment. En fait, j'ai eu l'occasion de jouer sur un morceau qui est sorti sur mon dernier album en 2008-2009. Ça s'appelle Bounka Aimé. En fait, c'est une chanson que j'avais composée par rapport à un ami. À l'époque, j'étais pompier. Et bon, je raconte l'histoire parce que le gars, il aime bien sa chanson. Il avait un petit souci avec sa copine et ils avaient décidé de prendre un petit temps de recul, quoi. Mais entre-temps, le gars, il est amoureux, donc il souffre. Et on était à la caserne, bon, on était là, on attendait une intervention. Et il regardait un feuilleton du genre Marie-Mar, Santa Barbara. Et il y a un moment, il y a un monsieur qui a enlacé une dame. Il a dit, mais c'est bon, ça, mon quand même. Et ça m'a fait tilt. Je suis descendu tout de suite chez les parents. À présent, je peux le dire, je suis plus mobile. Je suis descendu chez les parents, j'ai enregistré ça sur un dictaphone, je suis remonté à la caserne. Puis après, j'ai travaillé ça a fait le morceau. Et je l'ai fait venir en studio avec moi pour faire les chœurs avec d'autres camarades pompiers. Et voilà, ben il aime sa chanson, quoi. C'est sur cette chanson la seule où j'ai fait l'introduction, les introductions à l'accordéon. Voilà. Mais je pense que c'est quand même bien de penser à faire un album d'accordéon parce que je pense que tu es le digne du secteur de M. Elvis, disons. Oui, bon après, je n'ai pas composé vraiment encore de chansons à l'accordéon. Bon, j'ai des compositions qui sont là, en instrumental. Je sais pas, peut-être. Oui, mais reprendre au moins les classiques. Oui, c'est à voir, quoi. C'est à voir. Parce que, sincèrement, hein, c'est pas de la flatterie, mais on y a un bel coup d'accordéon, même si vous n'êtes pas entraîné depuis longtemps. Là, j'étais pas à mon aise, là. Oui, parce que je pense qu'il y a une question d'accompagnement aussi qui joue. Tout ça, ouais. Mais bon. nous, on est très satisfaits de la prestation. Et ça faisait longtemps que j'avais pas entendu l'accordéon. Donc, et RTV est content. Et nous, content, ouais, même parce que nous avons constaté que malgré l'âge-là, accordéon a tombé. Eh ben, tant que les doigts le permettent et puis la tête. On y va. Hein. Mais c'est vrai que j'avoue que je suis fainéant, je ne travaille pas à l'instrument, quoi. C'est ça. D'accord. Et au fait, maintenant, concernant tes albums solo où tu chantais là, tu ne fais plus, t'as fait quoi, t'as alors, composition? C'est-à-dire que j'ai des compositions qui sont là dans les tiroirs qui attendent. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un moment. Bon, alors dans la période Covid, effectivement, j'avais pas beaucoup d'inspiration. Donc. Mais sinon, j'ai plein de chansons là dans les tiroirs qui attendent. Hein, et puis là, j'ai monté un petit concept. Nous sommes deux avec un guitariste, avec la musique en séquence. Donc, on utilise la nouvelle technologie. Ça nous permet non seulement de reproduire de la musique, musique complète hein, avec tous les instruments, mais aussi d'avoir un rapport qualité-prix qui est intéressant parce que après toute crise sanitaire, il y a forcément une crise économique et on est dedans là. Mmh. Donc, les tenanciers de boîtes, restaurants, bars, etc. n'ont plus les moyens de payer de grands groupes. Donc c'est des petites formules qui vont fonctionner et c'est ça que j'ai fait et mon objectif c'est de pouvoir faire ça jusqu'à ma retraite et le projet c'est ça, c'est d'arriver à la retraite en bonne santé et pouvoir m'ouvrir un peu plus dans ma vie artistique, ce que j'ai envie de faire sur le plan artistique. Voilà. Parce qu'il y a des choses. Hein, Oui, on sait également que tu es comédien. Oui, alors autant au niveau de la comédie, il y a plein de choses que je n'ai jamais mis en public. Et on verra si la vie me prête vie, je vais dire. Je vais voir. Hein, il y a aussi la clarinette. Merci, la clarinette que je faisais avec. Enfin, l'imitation de clarinette avec le nez. Je pense remettre ça un petit peu. On me reproche d'être passé à côté de beaucoup de choses. Oui, ben. Peut-être que j'avais beaucoup d'opportunités dont je n'ai pas profité. Par exemple, je me rappelle que j'étais allé participer à la nuit de la clarinette en Guyane. Enfin, elle m'avait invité. C'était les musiciens des mécènes qui jouent dans le Dancing Kainana.
En fait, il m'avait vu, le tromboniste et la chanteuse m'avaient vu dans un spectacle de José Versol à l'Atrium. Et ça leur a plu, donc ils m'ont fait venir en Guyane. Tout frais payé, voilà. Et donc j'ai fait une prestation au Zéphyr de Caen. C'est une salle qui est à peu près l'équivalent du Grand Corbet, mais un petit peu plus grand. Et ça avait eu un franc succès. Hein. J'avais joué quatre, j'avais interprété quatre chansons. Et il y a un monsieur qui est venu me voir dans les coulisses après. Il m'a dit, monsieur, il y a une émission qui se fait sur une télévision au Brésil. Un peu comme La France a un incroyable talent ou Incroyable mais vrai, voilà. Et il m'a dit, j'ai vu quelqu'un avec moins que ça gagner 10 000 euros. Vous n'avez même pas besoin de chanter toute la chanson. Vous faites le début, vous avez gagné vos 10 000 euros. Il m'a donné l'adresse et tout, mais moi, c'est pas sous ça. Donc je suis passé effectivement à côté de plein d'opportunités. On me le reproche, me disant que ouais, mais tu aurais été plus riche. Oui, peut-être. Mais est-ce que j'aurais été plus heureux? C'est ça. Ouais. Il ne s'agit pas d'être riche, c'est d'être heureux. C'est ça qui compte pour moi. Donc après, je me fais plaisir à mon rythme. Bien sûr, le temps ne nous attend pas. Ouais. Et bon, là, j'ai envie de faire pas mal de choses. Donc, j'essaie de me refaire une petite santé et puis voir si je peux effectivement satisfaire un petit peu cette envie, cette passion que j'ai de la musique, de l'art en général. Hein, d'accord. Voilà. Alors, mais il y a des choses encore à découvrir. Oui, alors j'aimerais bien une petite imitation quand même. Voilà. Là tu me prends flagrant délit là. J'ai dit flagrant délit. Mais flagrant délit, c'est Élie, c'est prénom. Hein. Alors imitation de qui? Toi Marie, Jean, alors, toi, Bazas, les gens. Non, Bazas, j'ai arrêté. Je préfère ne pas expliquer pourquoi. Marie-Jeanne peut-être, bon, je ne sais pas. Hein. Marie-Jeanne a beaucoup changé. Moi, c'est le Marie-Jeanne ancien que l'on connaissait. Et la nature a fait que je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Maintenant, il a ça en blanc comme moi. Moi, je n'ai rien fait. C'est devenu comme ça. Donc, voilà. Alors, j'ai la gorge un peu sèche là. Alors, merci. Je viens vous d'abord à dire, bonjour, je suis le président de la région et de la CDM. On a dit, c'est pour moi qu'il a fait là. Et moi, je t'applaudis, c'est moi là pour moi. Et je sens mon bouchard. J'ai mon nom, mais je pas ça. Mais bouchard, les nous payons, nous avons des choses. Maintenant, les Ibanais, il n'y a pas. En fait, tu comprends, ça, moi, les deux là. Donc, par conséquent, on a dit ça objectivement. Rien moi dit ça. Donc voilà, à froid comme ça, ça donne un petit peu ça, mais c'est pas vraiment. Et puis bon, je suis en plein air, c'est pas les conditions. Quoi. Et puis bon, il y a d'autres choses derrière encore, mais bon, ça c'est les surprises à venir. Ah ben tant mieux alors. Voilà. Bon mais écoute, on te remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci puis, à EOL TV. Belle prestation, franchement, on a beaucoup aimé. Merci. Alors, au prochain rendez-vous. Alors j'ai fait des prestations, ben tiens, il y a pendant deux week-ends là dans un restaurant au Diamant, le Top Creole, on mange bien là. On doit y jouer là le 10, on serait déjà parti malheureusement. Et voilà, donc j'ai monté ce petit concept là et puis on pense voilà, tourner un peu partout. Pas trop de nuit blanche parce que bon là je l'ai remonté. Hein. Ouais. Et pour un petit peu, quoi. Voilà. En tout cas, merci, vraiment merci pour l'attention et puis... C'est nous. C'est un plaisir. Plus fois, c'est longue vie à EOL TV. Ok, merci voilà. Beaucoup. Yes. Boss. Merci.